Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va préparer le nouveau DP. Voilà. Alors je vais d'abord vous le présenter. C'est celui-ci. Donc, je vous l'avais déjà présenté hein, lors d'un unboxing. Voilà, donc c'est une Gorgus. Donc je l'avais eu à la boutique FG Normal. Donc ça fait déjà un petit moment, je l'ai depuis décembre 2020. Vous voyez, ça va faire presque un an que je l'ai. Donc je l'ai sorti, j'ai dit je vais le faire. Parce que les gorgues j'aime bien, voilà. Et donc aujourd'hui seulement on va préparer le kit. Voilà, j'ai l'impression de regarder de travers, je ne sais pas pourquoi. Voilà, peut-être que là, ça ira mieux. Bon, ça y est. Alors, première chose que je fais sur le kit, surtout d'abord sur la toile, quand vous avez une toile comme ça, avec un plastique transparent, je mets tout de suite ma gommette dessus, ici, pour repérer le dessus du dessous du plastique, parce que si vous mettez cette partie là sur la partie autocollante, vous allez avoir des problèmes pour le décoller. Voilà, donc avant de démarrer vous mettez toujours un petit autocollant, une petite étiquette, n'importe, un petit sticker sur le dessus pour que vous rappeliez que ce côté là il faut pas le coller côté kit. Voilà, donc ça c'est la première chose que je fais. Je l'ai repassé comme je fais toujours. Là je l'ai repassé pour parce que bon bah c'est toujours un peu enroulé hein, dans les paquets, et comme ça bon, j'ai moins de plis dans mon kit. Voilà. Là, donc, on va préparer les perles et je vais les mettre dans ma petite mallette, comme d'habitude. Donc, moi, c'est ma mallette comme ceci, hein, qui sont déjà numérotées. Moi, elles sont déjà numérotées. 1, 2, 3. Attendez, je vais enlever ça. Hop. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je garde toujours les mêmes numéros sur mes petits flacons. Ça ne change pas. Comme ça, je n'ai pas besoin de les changer à chaque fois. Voilà. Puisque comme ça, je me repère. Bon, je vais l'avoir à l'envers, hein, je suis désolée. Mais ici, dans la légende, il y a toujours le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je me repère avec ça pour mettre dans mes flacons. Voilà. Donc là, on va préparer les perles. Puis on verra. Si j'ai un petit peu de temps, on commencera peut-être un peu le kit, mais on verra. Allez, je vais changer la caméra de... On va mettre face table et on démarre. À tout de suite. Thank you.
Alors voilà, j'ai fini de mettre toutes mes perles dans ma trousse, voyez, tic tic tic. Donc il y a 24 couleurs et il me reste donc deux sachets, la couleur 1 et la couleur 23, puisque cela, les sachets étaient en double. Donc j'ai décidé de commencer un petit peu avec vous. Par contre, j'ai oublié de prendre avec moi ma règle. Je vais vous montrer pourquoi. Je reviens. Donc voilà, j'ai pris ma règle, mon stylo, parce que je vais faire un trait tous les 10 cm. Puisque moi, je fais toujours tous les 10 cm. Je travaille toujours tous les 10 cm. Voilà. Bon, là, il restera 5. Donc le bas, je le ferai en une fois. Non, il restera 5. Et le haut. Alors le haut, il fait, on va regarder combien il fait. 24,5. Alors si vous entendez un petit peu la télé, je suis désolée. 24,5, donc on va faire, allez, 12,5, hop, ici. Et maintenant, on va faire de l'autre côté, les traits à 10. Bon, le soir, je mets souvent YouTube à la télé, de toute façon, il n'y a rien. En plus, ce soir, c'était la Reine des Neiges. Alors, encore moins, je déteste ce dessin animé. J'aime bien écouter le soir souvent des vidéos de couture, de tricot. Allez, voilà. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Donc moi je mets souvent mon travail comme ça sur le côté, c'est mieux. Alors c'est des perles rondes, donc vous avez souvent deux plateaux, un petit vert et vous avez le grand blanc. Des fois, moi pour les perles rondes, j'utilise le grand blanc parce que les rainures sont un tout petit peu plus grandes et sont prévues pour les ronds. Ça c'est plus pour les carrés. Et ça, c'est beaucoup mieux pour les perles rondes. Donc, j'utilise celui-là. Allez, si on va démarrer un petit peu avec vous. Je ne ferai peut-être pas un carré complet. Mais on va voir ce qu'on va faire. Donc là, on va faire le E. Donc le E, c'est le 23. Donc là, pour une fois, vous ne l'aurez pas en rapide, la vidéo. Je vais vous la laisser en normal. Voyez, les perles se mettent vraiment bien dans celui-là. Voyez. Allez, je vais vous la... Hop. Je pense que là, vous verrez bien. Donc, si vous avez des questions sur les démarrages pour le DP ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas. Vous
Alors maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup mieux les perles rondes. Voilà. Ah, je vais remettre un peu de colle sur mon stylo. Il ne veut plus coller assez. Donc ça, c'est la glue hein, pour mettre au bout de votre stylo, pour celles qui ne connaissent pas. Vous avez juste à appuyer. Donc on peut faire en quinconce comme ça. Ça peut, on dit que ça va plus vite hein, si je ne prends pas la perle. Je suis en train de chercher le nom, comment en damier. Voilà, je cherchais le nom. Vous faites 1 sur 2. Et le rang d'après, vous faites en quinconce. Hop, viens là, toi. Voilà. Ça, en damier, comme ça, on le fait quand on a des grandes surfaces. Bon, elle ne veut pas venir celle-là. D'accord, vous avez des grandes surfaces, soit que vous faites comme ça, ou alors vous faites quand, avec un stylet, vous pouvez mettre plusieurs perles en même temps. Donc ça peut aller de 3 jusqu'à 10. Bon, là, on va plus faire en damier puisque elles sont éparpillé. Allez.
Je regarde jusqu'où va mes 10 cm. Comme ça, je fais ma ligne. Voilà. Alors, on est jour J moins 10, si je ne me trompe pas. Alors, je vous fais la vidéo pour le concours. Donc, n'oubliez pas. Donc, le jour de mon anniversaire. Il y aura le concours, donc le 12 novembre. Il y aura le concours Diamond Painting. J'espère que ça vous plaira. Allez, je ne veux plus coller. Ah, colle plus. J'achète de la pâte à fixe. Ce sera beaucoup mieux. Je vais avoir beaucoup de violets à mettre. Je remonte comme ça, je vais remplir le damier pour vous montrer.
Voyez. Bon alors, oh, il m'énerve mon stylet. Il veut plus garder la colle. Je perds du temps avec ce stylet. Je sais pas ce qu'il a. Pourtant, il n'y a pas longtemps que je l'ai. Que je vais changer. Mais je crois que la glu y est pour quelque chose aussi. Hein. C'est pas, elle n'est pas de très bonne qualité. Bon, je vais changer de stylet parce que là il me prend la tête. Est-ce que celui-là, je vais lui mettre de la colle. Bon, celui-là a l'air d'aller mieux, vous voyez, c'est celui-là. Je sais pas, il y a des petits trucs là. Celui-là non plus, je sais plus où je l'ai eu. Une boutique qui me l'a offert. Alors, laquelle? Mystère et boule de gomme. Je ne sais plus. Avec tous les partenariats, au bout d'un moment, des fois, bah, ça y est, j'ai encore perdu ma perle. Des fois, je ne sais plus. En damier comme ça et après on va remplir, mais bon c'est une technique qui est connue hein. Je ne l'ai pas inventé. Bon, là définitivement c'est la glu qui déconne. Alors, bon, là, je vais remplir.
Bon, non, c'est la colle hein, qui va pas, qui ne veut pas tenir. Ça m'énerve. La glu, là, doit être déjà trop vieille. Ça fait trop longtemps qu'elle est dans ma boîte. Allez, on va remplir. Quand je regarde comme ça les podcasts de couture, ça me donne envie de refaire de la couture. Enfin, j'en faisais, hein, mais il y a très longtemps, je faisais les vêtements. Là, à chaque fois, je dis, je vais me refaire un vêtement. Bon, je ne fais pas des choses compliquées, hein. Pas des choses qui prennent la tête. Genre pantalon, tout ça, ça je fais pas, ça me prendrait trop la tête. Là, bon, j'ai bien en ce moment, j'aurais bien envie de me refaire quelque chose. Bon, pas des jupes, je n'en mets pas, mais bon, des hauts. D'ailleurs, cette semaine, je regardais sur Internet pour les patrons, les choses qui pourraient me plaire. Bon, pour l'instant, j'ai rien trouvé qui pourrait me plaire. Et là, il y a beaucoup qui font des patrons qu'il faut bon imprimer soi-même, bien sûr. Donc, ils n'envoient pas en mode papier. Avant, c'était bien en mercerie. Bon, déjà, il n'y a plus de mercerie. Alors, pour trouver une mercerie, maintenant, faut se lever de bonne heure. Hein. Avant, en mercerie, on pouvait trouver des patrons encore. Là, elle a fait une jolie robe, mais longue, elle est belle. Ça pour l'été, par contre, une robe longue, oui. Pour moi, on voit pas mes jambes. C'est ça que j'ai. Hein. Je ne veux pas, je veux absolument pas qu'on voit mes jambes. C'est
C'est pour ça que je suis toujours en pantalon. Bon, je vais avoir fini mon E, moi. Il est long, hein, mon E. Et vous, est-ce que vous en faites de la couture? Dites-le moi. Elle me fait rire, elle. Je sais plus son nom, le nom de sa chaîne. Attendez, je regarde. L'atelier de vie. Elle est trop rigolote. Mais voilà, on arrive au bout des œufs. Ouf. Yes. J'en ai plus. Non. Alors, je vais les ranger. Le reste. Hop. J'avais un petit moucheron dans mon plateau. Alors maintenant nous allons faire, il y a quelques petits Z là, je vais les faire tout de suite. C'est le 5. Allez, papa, 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 Z, 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 Zorro, Zorro. C'est rien, vous inquiétez pas. Je remplis un maximum, comme ça je vais vous montrer pour les haches après, puisque là ça va être la plus grande surface.
Voilà, les ailes qui sont faites, c'est bon. On va pouvoir attaquer les haches. Oui, on va attaquer les haches, là. Voilà, bon, là, il y a encore les... Ici, encore des petits, mais bon, c'est rien, c'est pas grave. Alors, comme ça, je vais vous montrer avec ça, en même temps. On va faire un petit peu de damier et un petit peu de par 10. Alors, le H, c'est quoi? C'est le A. Alors, le damier, je vous l'ai déjà montré, mais on le refera après. Là, on va faire avec celui-là. Donc, il faut que vos perles soient bien rangées. Donc là, vous allez faire des lignes complètes. Hein. Donc, vous allez... Hop. Et... On va coller la ligne d'un seul coup, comme ceci, vous voyez. Parce que je voudrais que vous voyez tout en même temps, mais c'est compliqué. Et en plus, ça va beaucoup plus vite, hein, du coup, pour perler. Donc là, quand vous en avez un qui a bougé un petit peu, c'est pas grave, hein, vous le remettez. Voilà. Yeah. Donc là, c'est pareil, hein, vous mettez de la glu, hein, voyez. Mettez une grande barrette de glu, là. Là, il n'y en a que 4, donc j'en mets 4. Voilà, après, j'ai remis bien si vous voyez que vous n'avez pas fait bien droit. Mais... Voilà, quand vous voyez qu'il faut, vous avez un symbole qui reste tout seul, ben vous le mettez bien sûr. Et comme ici, hop, il est tout seul. Là aussi. Voilà. Et en faisant comme ça par ligne, ça va beaucoup plus vite. Bon, c'est pas évident au début.
Et là, ça va se remplir. Là, il y en a quatre. Hop. Là, c'est trois. Là, il y en a un tout seul. Hop. Voilà. Là aussi. Bon, par deux, vous pouvez faire par deux, hein, mais bon, c'est pas... Voilà. Alors, malgré que c'est un de 10, vous pouvez en faire par 2, 3, 4. C'est à vous de voir le nombre de perles que vous voulez mettre dessus. Bon, après, si vous voyez qu'il y a des petits décalages, vous refaites, vous vérifiez, voilà. Hop, là, j'en ai mis en trop, c'est pas grave. Il va aller là. Il y a qu'on avance vite là.
Je sais pas si vous l'entendez, mais elle est ouin ouin. Mais j'adore. Ah, j'ai une perle qui se promène là. Allez, y a là, toi. Hop. Allez, on va encore faire un petit quart d'heure. Parce que là, il est quelle heure? 22h15. Ah, j'ai raté ma ligne. Mais je bouche les trous. Ah bah alors. Voilà, on bouge déjà les petits trous, il n'y a qu'une seule perle à mettre. Hein. Voilà. Un qui voulait s'échapper. Raté, j'ai raté ma ligne. Des fois ça arrive hein, qu'on n'arrive pas à attraper d'un coup. Alors là j'ai complètement foiré.
C'est la fatigue, ça. Ça commence à... Oui, puis j'ai une mouche qui me siffle dans les oreilles. J'adore ça. Elle va entendre parler du pays. Désolée. Elle va connaître la tapette. Je sais. Elle peut-être qu'elle n'aime pas quand tu les mouches, mais bon. Quand c'est une grosse mouche qui fait bzzz. Ah là là, je supporte pas. On est au mois de novembre, il y a encore des mouches qui rentrent dans la maison. Mais bon, normal, hein, avec la propreté de du poulailler du voisin, hein, ça n'a pas changé. Il y a plusieurs semaines, il y avait eu des rats. Je vais faire venir le dératiseur pour les égouts. Donc, youpi. Heureusement que j'ai géré, que c'est un ratier. Il faisait des arrêts là où il y avait les rats dans les égouts. Marquer les endroits. Voilà, vous voyez, on avance bien.
Allez, on va finir ce coin là. On arrêtera pour aujourd'hui. Ah, ben alors. Bon, après je regarde si tout est bien droit à peu près hein, de toute façon. S'il y a des cinéphiles dans mes abonnés, je donne la sortie d'un film qui sort demain. Donc là, on est mardi, il sortira mercredi. Donc quand vous verrez cette vidéo, ben, il sera déjà sorti. C'est avec Cornillac, puis bon, les autres acteurs, je ne sais plus, mais enfin, c'est un film, c'est une comédie. Le titre c'est Si on chantait et le film a été tourné dans mon village à Kérochin. Donc si jamais ben vous allez au cinéma, ben, vous pouvez aller voir ce film là. Donc il a été tourné dans mon village, dans le village voisin à Crépin. Dans la ville à côté, Valenciennes. Voilà, mais surtout à Kérochin, parce que le réalisateur est du film, bah, il est de chez moi, il est de ma ville, de mon village, de Kérochin. Donc il a voulu tourner le film ici. Donc si vous allez au cinéma, bah, je vous conseille d'aller voir, vous avez peut-être déjà vu les extraits à la télé. Il est super, super bien ce film. Je pensais à ça là, comme ça, d'un coup.
Mais si vous y allez, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez pensé du décor. Donc à un moment, vous allez voir un étang. Donc l'étang, c'est chez moi. Le marché, ça va être chez moi. La mairie toute rouge avec un grand parking devant, c'est chez moi aussi. Voilà. L'usine. L'usine où ils sont, où ils sont là, où ils vont se faire licencier et où ils vont mettre, ils vont faire leur nouveau travail, ben, pour chanter. C'est chez moi aussi, c'est derrière chez moi, ça. Moi, j'attends que ça sorte en DVD ou que ça passe sur Netflix ou un truc comme ça. Parce que bon, le cinéma, j'aime pas trop y aller. Allez, on arrête pour aujourd'hui. Bon, je vais mettre les deux là. Hop. Et voilà. C'est bien. Aujourd'hui, vous aurez eu du DP en papotage. Bon, j'aurais pu continuer un petit peu. Hein. Mais bon, là, il est quand même passé 10h30. Je baille. Voilà. je terminerai ça hors caméra. Comme ça, bah, vous le verrez par la suite, de toute façon. Je vais ranger les perles avant de les faire tomber. Voilà. Bon, je pense que ça va encore être un DP qui sera rapide à faire. Oula, ça y est, je mets tout par terre. Allez, vas-y, c'est la fête à la maison. Bon, là, je peux prendre l'aspirateur, mais j'ai la flemme de me lever pour aller chercher l'aspirateur à perles sur mon bureau. Ah, je vous jure. Ouais, bon, pour 10 perles, hein, on va pas s'embêter. Hop, hop, voilà. Donc voilà. Hop, pour aujourd'hui, je vous remets la petite Gorgus. Nous, on se retrouvera bientôt, comme d'habitude, avec la suite de ce DP. J'espère qu'il va vous plaire, que le modèle vous plaît. Bah, les couleurs vont être jolies, je pense, aussi. Si vous avez des questions sur des choses que j'aurais dit avant ou pendant, n'hésitez pas de me les redemander en commentaire. Et nous, on se retrouvera très rapidement en... Je ne sais plus ma phrase que je dis d'habitude. Allez, on se retrouvera très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement. À bientôt, bisous.